C'est parfait. A dit qu'elle viendrait là pour Fink. On doit prendre cet ascenseur et monter. Il doit mener au bureau de Fink. Comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre, hein? Qui ça? Fitzroy et Comstock. Mais Lynn... Monsieur Lynn... Dieu, je voulais tellement aller à Paris. Je pensais vraiment pas que... Tu n'aurais jamais pu deviner. J'ai joué un rôle dans cette catastrophe. Si vous voulez croire que nos mains sont propres dans cette histoire, libre à vous de le penser, mais... Allô? Fink? Je t'ai vu mourir, Booker. Vu de mes propres yeux. Fitzroy. Écoutez, j'ai trouvé vos armes. Donnez-moi le dirigeable. Mais mon Booker des 8 est mort pour la Vox Populi. Tu es un imposteur ou un fantôme. Mon Booker des 8 s'est sacrifié pour notre cause. C'est un héros pour nos enfants. Toi, tu compliques le scénario.
trouver de l'argent. Ok, attrapez. Encore montré une nouvelle merveille, même si je ne sais pas trop quoi en faire. Ils ont mis en avant un mélange entre la machine et l'homme qui semble mettre à profit les qualités de chacun tout en négligeant leurs défauts. Le procédé semble irréversible. Peut-être que Comstock aura besoin de quelque chose dans le genre pour surveiller la tour qu'il fait construire. Attention, un optimal.
celle-là. Compris. Prenez ça! Je ferai en sorte de vous approvisionner. Tu vas mourir, sale enflure! J'ai des munitions! C'est ça, hein? C'est ça votre mouvement, Daisy! C'est ce qui doit être fait. Tu vois, les fondateurs, c'est comme le chien d'or. Tu as beau faire, il repousse toujours. Pour te débarrasser du chien d'or, il faut le déraciner complètement. C'est le seul moyen d'être sûr. Elisabeth. Alors je suppose que cette famille. Elisabeth. Oula, oh, ouais, hey, allez.
Écoute, je crois que tu devrais me parler. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Elisabeth ! Elisabeth. C'est tout ce qu'ils avaient. Écoute. Comment vous faites ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Pour oublier. Est-ce que vous auriez une méthode miracle pour effacer son passé ? On peut pas. On apprend à vivre avec. Attention, c'est notre moment de vérité. New York ? Ou Paris. Non, 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 oh, merde. Allez, on doit trouver le moyen d'accélérer la cadence. Il doit y avoir une sorte de manette ou d'accélérateur. Tu saurais me dire à quoi ça ressemble ? Je ne sais pas. Aide-moi à chercher. Elisabeth ! Je te dis que non. Mais si. Non. Si, si. Très bien. Attends. Comme tu veux. Booker, on doit les arrêter. Non, ça c'est un. Mais non, je te dis que Booker, c'est ça. Faites vite. Non, tu te trompes. Mais si, voyons. Non. Si. Non. Si. Reste. Voilà. Si finis ta chanson, il va revenir. Arrêtez. Non, ce n'est pas ça. Arrêtez. Bien, vous ne savez pas voilà. Ce que vous faites. Ah, nous y voilà. Non. Ça y est, à cause de vous, il va revenir, il va revenir. C'était les bonnes notes. Mais pas le bon instrument. Il ne répond qu'à l'appel des deux. Mais si vous savez chanter pour lui... Il vous emmènera où vous voulez. Qui êtes-vous ? Nous sommes où nous devons être. Et devons être où nous sommes. Comme Stock se sert de chansons. Mais est-ce qu'il y en a d'autres ? Une qui éloignerait l'oiseau ? Mais posez donc la question au maestro. Où est-ce qu'il est ? Évidemment. Au moins, le piano est toujours là. Booker. La maison de Comstock. C'est notre point de départ pour le retrouver. Tous ces gens, où vont-ils ? Le plus loin possible de la Vox Populi.
génial. Attendez, je suis à sec. Vas-y. Il y a un crochet par là. Elisabeth ? Oh, ça ne prendra pas de temps. Je me demande ce qui attire l'oiseau dans cette chanson. C'est comme ça. Aux anges ? Je n'avais que lui. Il m'invitait à manger, il n'avait pas à lire. C'était mon ami. Ton ami ? Et puis j'ai grandi. Et je l'ai détesté. Parce que c'était mon geôlier. Mais c'est la créature de Comstock, non ? Il est comme moi. C'est prêt ! Pas mieux que Comstock. Non. Lorsque la foule a goûté au sang, difficile pour elle de faire marche arrière. Tout est notre. Un carnaval des obèses. C'est fait. Rien que pour vous. Tenez. Attrapez. Regardez.
démon brûle, le salaud. Parfait. Vas-y. Ok. Je vous attends juste ici. Vraiment que quelqu'un peut prédire le futur, vous ? J'ai eu une vision en arrivant ici. Un rêve. C'était New York, mais beaucoup plus vaste que dans la réalité. Tout était en feu. Pourvu que la magie du prophète ne déteigne pas sur vous. La technologie qui permet à la ville de flotter. Les gros ballons? Des particules quantiques, gelées à hauteur fixe dans l'espace-temps. Rien à voir avec les gros ballons, donc? Mais d'après mes livres, ils auraient disparu depuis plusieurs années. Je t'avais dit qu'ils viendraient. Non, je ne crois pas. Ah, eh bien, quoi qu'il en soit, j'en avais l'intention.
mais tu ne l'as pas dit. Non, pas encore. Tu es sûr de toi? Je crois qu'avec eux, il ne faut pas se fier aux apparences. J'allais t'avoir dit qu'ils allaient venir? Non. Futur antérieur? Non, pas le futur antérieur. La grammaire n'a pas encore été inventée. Il aurait fallu qu'elle aurait été. Aurait fallu? Aurait été? Ça ne veut rien dire. Je crois qu'ils veulent nous aider. Je crois qu'ils sont fous alliés. Étrange, non? Quoi donc? Qu'il nous arrive parfois... De finir les phrases de l'autre? Exactement. Le contraire serait étonnant. Comment ils font ça, à votre avis? Je te répondrai dès que j'aurai compris cette histoire de ville flottante. Allez, on est presque chez Comstock. Comstock? Ouais, je crois bien. Mais pourquoi m'enfermer? Eh ben, je suppose que tu voulais pas qu'on te prépare. Peut-être qu'il avait un bon moyen de te rendre plus consentante. Comme quoi? C'est peut-être mieux qu'on ne sache pas. Il se prenait pour les rois du monde. De l'argent. Il y a quelqu'un quelque part qui entend le son de ma voix. Les temps sont difficiles. Et j'aurais bien besoin de votre aide. J'espère que personne ne m'a oublié là où je suis. Mais revenons à la musique. S'il te plaît, tu peux regarder cette serrure? Ça ne prendra qu'une minute. C'est fait. Montre-toi! Tenez, gardez ça. Oh, toi, vieux marin! Et ton impulsion! Oh, et l'Albatros. Tiens, quartier, exécutez tous ceux qui pourraient nous poser des problèmes. Tous ceux qui portent une arme. Tous ceux qui portent des lunettes. Parquez-les. Monsieur Comstock, la prochaine fois qu'on se verra, ça sera pas pour discuter. Vous voyez, je suis allé dans l'antre des héros pour scalper votre fou berger pour vous. Mais ce que j'ai découvert, figurez-vous, c'est que ce Dewitt parle la langue des Sioux. Il m'a aidé à communiquer avec ce gamin estropié que j'ai
recueilli. Maintenant que j'en sais un peu plus sur sa vie dans votre ville, je me dis que quand je vais vous écorcher, je le laisserai guider la lame. Regardez ça. Génial. Vous préférez donner la mort ou la recevoir? Elisabeth. Ça m'aide beaucoup! Et toutes sortes de choses mortelles. Okay.
Logan. Merci beaucoup. Là. Je m'en occupe. Le champ Lutèce a mêlé des vagues de lumière à mon atome quantique, ce qui m'a permis des mesures précises. Ça te rappelle quelque chose, mon cher frère ? C'est normal, tu mesurais le même atome depuis un monde voisin. Nous nous sommes servis de l'univers comme d'un télégraphe. Activer ou désactiver le champ revenait à échanger des points et des traits. Tout cela était terriblement lent et fastidieux, mais maintenant, nous pourrions murmurer à travers la cloison. Encore de l'argent. Merci. Thank you.
M'ouvrir ça? Donnez-moi une seconde. Super! Vas-y. À vos ordres. Massacre-le! Tu parles? Je prends ces bottes. Moi, je prends la. Celle-là! Maintenant! Nous ne pourrons plus revenir. Vous voulez voir la librairie avant que nous partions ? De l'argent. Voilà. C'est parfait. Tonique vivifiant, la formule fermé. Magique de vie. Elisabeth. Voilà. Cher frère, ce que Comstock ne semble pas en mesure de comprendre, c'est que notre engin n'est pas une fenêtre sur la prophétie, mais sur la probabilité. Cela dit, son argent permettrait de transformer le champ Lutèce en faille Lutèce. Une fenêtre entre les mondes, une fenêtre à travers laquelle nous pourrions enfin nous retrouver. Sally, ce salopard a profité de ce que la Vox saccageait l'endroit pour s'introduire et me prendre ma petite. Il l'a enfermée au Salty Oyster, le placard secret où il cache tous ses trésors. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton sous la caisse enregistreuse pour l'ouvrir. Mais... approchez-vous de lui!
J'arrive. Ça se refermera derrière nous. On ne pourra plus revenir. C'est un verrou à double cadran. D'après mes livres, Monsieur Tout-le-Monde garde la combinaison à portée de la main. J'espère qu'on est tombé chez lui. C'est peut-être ça. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le crochetage et le déchiffrage? Si vous vous retrouvez dans une cage, c'est le genre de choses qui peut vous intéresser. Je veux bien le croire. Et je ne veux plus jamais qu'on m'enferme. Elisabeth. Elisabeth, tu... Promettez. Je vais l'arrêter. Non. Vous savez que c'est impossible. Mais s'il me retrouve, je préfère encore... être morte que de retourner là-bas. Ça n'arrivera pas. D'accord. Regardez, la Vox Populi est en train de tout saccager. Merci.